Yo yo yo, c'est les rats qui sont là pour ça. Merde. Allez! Est-ce que j'ai des jumelles avec moi? Ah oui, j'ai des jumelles. Putain, à cause de j'ai tout perdu. Hop, hop, hop. Je dis hop. Ils sont pas beaucoup, hein. Ils sont pas beaucoup. Est-ce que je mets une tenue? Je vais mettre la tenue. Est-ce que je mets celle-ci? Je vais mettre celle-ci. Rennight. J'espère que vous attendez. Vous avez tout le son. Okay, regarde. Pourquoi vous avez un masque? C'est pas Je obligé de tente des porter un masque, choses. un maître Oli. Je tente des choses. Je vois, je vois. Nous allons attendre que tout le monde soit en place. C'est un grand jour pour l'ordre Jedi. C'est effectivement le cas. Toute évidence. C'est pas faux. Programme de ce live. Conclave Jedi. Grosse montée. Ça va être des grosses montées. Et comme vous avez pu le voir, là, il y a un petit spoil, c'est que le petit Saïfa, eh bien, il est de retour au CJ. Voilà. Comme vous le savez, sur mon précédent live, j'étais convoqué au CJ, bien que j'étais bien au courant en HRP juste avant. On m'a reproposé une place au CJ. On m'a reproposé une place au CJ, j'ai discuté longuement HRP et RP avec le conseil Jedi, et ma décision est faite que je suis de retour au CJ. Donc là, c'est pour ça que je suis pas avec les Jedi en bas en train d'attendre et tout le CJ, c'est parce que maintenant je fais partie du CJ, il va y avoir une annonce comme quoi je suis de retour au conseil Jedi. Donc là, Tarly est de retour en tant que conseiller Jedi. Donc je serai au conseil Jedi avec Entoli. Avec Asmita et Limea. Bonjour à tous, vous allez bien? Mes salutations à vous, grand Très maître. bien, et Bonjour à vous, vous, grand grand maître. maître. Salutations, je me porte bien. Avec Aze de retour lui aussi. Et voilà. Sortez vos sabres. Et du coup, bah, il va y avoir des montées importantes aujourd'hui. Moi, j'étais mis dans la confidence des montées, donc je suis au courant de toutes les montées de la soirée. Et j'ai préparé mes discours parce que, en étant au CJ, j'ai décidé aussi de. Enfin, j'ai décidé. C'était normal que j'en fasse, mais je vais faire des montées du coup avec les personnes présentes. Voilà. Du coup, voilà. Là, normalement, aucun Jedi, à part ceux qui sont bien évidemment présents sur live, personne au courant de ma montée en tant que CJ.
Je suis passé à gauche. C'est bon, ma tête elle saute, ça me fait penser à la V3, la V... non, à la V4 elle sautait aussi, ou la V3, je sais plus. De saluer les membres du Haut Conseil Jedi. Oui, Salutations à toutes et à percé! toutes. Est-ce que tout le monde m'entend bien d'ici, s'il vous plaît? Elles Les Jedi sont sont assez tous, conseillers. sont belles les SP. Ils sont conseillers. Parfait, vous allez donc pouvoir vous relever. Pour commencer cette Putain, c'est nouvelle les vie. sentinelles aussi Mes nombreuses là? salutations à vous, membres de la Putain, République et de vache! l'Ordre Jedi. En cette nouvelle année, le grand conclave de l'Ordre Jedi ouvrira donc ses portes afin de célébrer certaines ascensions. Avant toute chose, le Conseil souhaitait annoncer certaines choses. Pour commencer, sous l'accord de la grande maîtresse Satil Shan, mon mandat personnel se voit renouvelé en mandat de 12 années, celui du maître Entoli en mandat de 4 années, et sous décision à l'unanimité du Haut Conseil, le maître Hayes et le maître Tarly se voient désormais réintégrer la chambre du Haut Conseil en tant que membre de ce dernier. Félicitations à ces derniers. Nous vous annonçons pardon, également le déplacement exceptionnel du maître Nost Dural et du maître Tol Braga, et futurement de la grande maîtresse Satil qui nous rejoindra sûrement pour la fin de la cérémonie. Je vous remercie. Bien. Tu penses pouvoir monter Je le son un pense peu des donc que nous voix? allons donc pouvoir ouvrir cette clairement important pour notre ordre. Jamais eu de soucis avec les voix, J'appellerai mais... donc les maîtres des érudits à se présenter face à nous et à effectuer les différentes montées en titre qui ont été décidées. Grand érudit Kyrès, nous allons vous inviter à vous mettre face à nous. Attendez, je suis perdu dans les... Je vous laisse poser Ah un voilà. genou au sol. Grand érudit Kyrès. Vous avez effectué un grand nombre de travail au sein de la spécialisation, de par des formations, la réalisation d'activités, mais également par la réalisation de connaissances et toute autre activité dans le domaine de l'enseignement. C'est pour cela qu'en ce jour et en ce lieu, nous vous octroyons le titre d'initié des écrits. Nous vous demandons de continuer dans cette voie et de continuer à enseigner aux jeunes Jedi. Félicitations à vous, Comte Érudit Kyrès. Je vous remercie. Félicitations, grand érudit. Un peu de monde. En ce moment, j'aime. Comme je vous l'avais dit à la À précédente savoir cérémonie. que le grand érudit Zan n'étant pas actuellement présent, celui-ci se voit également attribuer le titre d'initié des écrits. Félicitations à lui. Je vous en prie, continuez. Également, le maître des érudits, Yalra, se voit accorder également le titre d'initié des écrits. Félicitations à lui également. Et pour terminer, grand érudite, Linara, vous allez pouvoir vous présenter devant nous. Grande érudite Lina, pourquoi je l'ai pas dans ma liste? Posez un genou au sol. C'est quelle musique ça?
grande érudite Linara. Avec vos confrères érudits, vous avez réussi à effectuer des enseignements qui sont à présent prospères au sein de la spécialisation. Pour cela, nous vous octroyons aujourd'hui le titre honorifique d'initié des écrits. Tâchez de continuer dans cette voie, de faire perdurer l'enseignement et de continuer à transmettre votre savoir. Félicitations à vous, érudite. Merci beaucoup et en vous remerciant. Félicitations. Félicitations. Félicitations, grand érudite. Nous vous remercions pour votre écoute à tous. Bien. Mes félicitations à toutes les nouvelles montées en titre pour ce qui est de la spécialisation des érudits. Nous demanderons donc maintenant au maître des ombres de se présenter face à l'assemblée. Les référents théoriquement peuvent accompagner, mais c'est des gitans. Il n'y a pas de place, frère. Vous entendez la musique de Pedron ? Bien, pour commencer, je demanderai au maître des ombres Chandril de ployer le genou au sol, s'il vous plaît. En cette soirée, maître des ombres Chandril Alwint, en reconnaissance de votre engagement et de vos compétences au sein de la spécialisation des ombres, vous êtes fait gardien de l'ombre. Depuis, vous avez fait preuve d'une volonté indiscutable de vous améliorer, et vous avez fait preuve d'une grande maîtrise dans la discrétion, la pédagogie, la sagesse, et en vous illustrant via de riches connaissances. Toutes mes félicitations à vous. Chandril, qui était, vous savez, mon ancien padawan avec son ancien perso qui était le maître des érudits Sobrim. Le maître des érudits Sobrim était mon apprenti. Je demanderai ensuite au maître des ombres Milisk de ployer le genou au sol, s'il vous plaît. Maître des ombres Milisk. Cette musique. De même que pour le maître des ombres Chandril, en reconnaissance de votre engagement et de vos compétences au sein de la spécialisation, il a été décidé de vous faire gardien de l'ombre. Depuis votre intégration, vous avez également fait preuve d'une volonté indiscutable de vous améliorer. Et quant à vous, vous avez fait preuve d'une grande maîtrise de la double lame, de la prise d'information et des infiltrations. Nous vous félicitons, gardien de l'ombre. Enfin, la grande ombre Jorus Noza n'étant pas présent, le félicitons pour avoir également acquéri le titre de gardien de l'ombre. Nous vous remercions. Ce sera tout pour nous en cette soirée. À votre tour, je pense, maître des sentinelles, vous avez plusieurs montées en titre à effectuer pour ce conclave. En effet, lors de cette scène, titre honorifique à remettre aux membres de la spécialisation. J'appelle donc la grande sentinelle Xenos à se présenter devant les maîtres des sentinelles ainsi que leurs référents. C'est une musique d'Assassin's Creed ? Ah, je connaissais pas. Enfin, je connais Assassin's Creed, mais je connais pas assez bien les musiques pour dire si c'est ça ou non. Ah, il y a le fameux sabre dont j'ai envie d'avoir. Ce jour, nous, maître de spécialisation, le katana Rajivari blanc. Sentinelle. Vous avez à maintes reprises prouvé que vous étiez à votre place dans la spécialisation des sentinelles. Vous avez prouvé par vos faits d'armes ainsi que vos capacités à apprendre à la jeunesse ce qu'est une véritable sentinelle. C'est la musique de base pourtant. Pour tout ce que vous avez accompli dans cette spécialisation, grand sentinelle, en vrai, vous pouvez vous relever. Toutes mes félicitations. J'ai joué qu'à Assassin's Creed Valhalla pour ma défense. Félicitations à vous. Voilà.
Félicitations. J'appelle dorénavant la grande sentinelle Kestis à s'avancer et à ployer un genou devant les maîtres de spécialisation. Semble que celui-ci n'est pas présent. Très bien, le titre de veilleur des abysses lui est donc remis en ce jour. Toutes mes félicitations à lui. J'en profite également aussi. Je suppose que la sentinelle Chronos Organa n'est pas présente. Celui-ci en ce jour reçoit également le titre de veilleur des abysses. Toutes mes félicitations. Mmh. Félicitations à la sentinelle Chronos pour son travail acharné. Pour ce qui est des attributions des titres honorifiques, la spécialisation des sentinelles, c'est terminé. Néanmoins, ce n'est pas une sentinelle qui recevra ce titre. Vous pouvez avancer. Mettez-vous au milieu, maître. Bien. C'est avec une immense joie et une profonde reconnaissance. Les gardiens n'ont pas de titre. Les gardiens, non. Exceptionnel. La remise du titre honorifique prévolumineux. Ce titre, symbole d'exception. Est attribué à des individus qui ont su, par leur engagement et leur vision, illuminer notre spécialisation et l'ordre dans sa globalité. En honorant aujourd'hui le maître Roy Galahad, nous saluons non seulement ses réalisations, mais aussi l'inspiration qu'il incarne. Le maître Galahad a fait preuve d'un engagement sans faille, et sa sagesse nous a tous guidés. Son parcours est jalonné de succès, mais aussi de défis relevés avec courage et détermination. En partageant ses valeurs de solidarité et de créativité, il a su rassembler et motiver ce qui l'entoure. Nous avons tous été témoins de son impact. Ses actions témoignent d'une vision claire et d'un profond désir de renoncer notre devenir meilleur. Ah non, je m'excuse. En les décernant le titre de prévôt lumineux, nous ne faisons pas que reconnaître ses mérites. Nous célébrons aussi l'espoir qu'il continue à porter en nous tous. Que ce titre soit un encouragement à poursuivre cette belle œuvre. Il rappelle à chacun d'entre nous l'importance de l'engagement et de la lumière que nous pouvons apporter dans la vie des autres. Félicitations, Maître Galahad, que cette distinction vous inspire à continuer d'être un phare pour notre spécialisation et pour l'ordre. Félicitations, Maître Galahad. Mes félicitations à vous. Mes félicitations, Maître Galahad. Merci. Félicitations. C'est un honneur. Nous en avons donc terminé pour le titre honorifique de la spécialisation des sentinelles conseillers. Bien, nous vous remercions. Cependant, vous allez pouvoir rester là, maître des sentinelles, à vrai dire. Car il reste les montées en grande spécialisation à effectuer. Plusieurs recommandations ont été faites et ces dernières ont été acceptées. Vous pouvez donc vous occuper des différentes montées. Bien. Je vais donc appeler la sentinelle Kuhn à se présenter devant l'ensemble des maîtres de spécialisation, mais également devant le Haut Conseil. Bien. Bien, sentinelle Kuhn, en ce jour, en ce lieu qui est Alderande, moi, maître des sentinelles Asta, accompagné de l'ensemble des maîtres des sentinelles, mais également du maître Roy Galahad, je vous défais de vos rangs de spécialisation Jedi, mais encore de sentinelle Jedi, pour vous monter au rang de grande sentinelle. Ce jour, vous avez su vous élever au sein de l'ordre, nous prouver que vous méritiez ce titre et que les responsabilités qui s'en suivent, vous pouvez les gérer. En quelque sorte, vous avez su évoluer dans l'ordre. Continuez ainsi. Et un jour, vous finirez potentiellement à un meilleur titre que celui-ci. Toutes mes félicitations. Vous pouvez vous relever. On voit les gens qui sont pas habitués à faire des discours. Et honnêtement, je les respecte totalement. Parce que on s'en rend pas compte. Mais c'est réellement un défi, tout de même.
de faire un discours face à tout l'ordre, Jedi. Passer également grande sentinelle. On a actuellement 52. Personnel, ses nombreux faits d'armes. Faire un discours devant 50 personnes, c'est vraiment bien. Alors certes, c'est compliqué. Même moi, c'est quelque chose qui me stresse un peu. Ainsi que l'ordre Jedi. Mais c'est un défi et franchement. Mes félicitations à lui. Franchement, bravo. Enfin, je dis bravo à tout le monde parce que. Félicitations. Je sais que c'est pas facile. Félicitations. C'est vraiment pas facile. Nous avons, pour la spécialisation des sentinelles, une dernière montée en rang à effectuer. J'appelle en ce jour à se présenter devant l'ensemble des maîtres de spécialisation. La sentinelle Assar, voyez un genou devant nous. Sentinelle Assar, vous êtes arrivé il y a quelques années au sein de la spécialisation des sentinelles. Vous êtes distingué par vos nombreux faits d'armes, vos nombreuses formations. Vous avez guidé la jeunesse à travers l'ordre Jedi. Vous avez également accompli certaines prouesses au sein de votre sphère de la diplomatie. Vous avez réussi à créer des contrats qui jusque-là étaient alors inimaginables pour l'ordre Jedi. C'est donc par ce fait que moi, maître des sentinelles locales, Lucis, fais de vous en ce jour une grande sentinelle. Toutes mes félicitations, sentinelle Assar. Vous pouvez vous relever. Mes félicitations à vous, grand sentinelle. T'étais qui en MDCJ, Clara ? Entre les spécialisations, référent. Entièrement mérité, grande sentinelle. Mes félicitations, grande sentinelle. Grande sentinelle. Nous en avons donc terminé pour la spécialisation des sentinelles, conseiller. En vous remerciant. En vous remerciant, conseiller. Nous vous remercions, des gardiens maintenant. Il reste maintenant la spécialisation des gardiens. Ainsi donc, spécialisation, vous pouvez vous présenter facilement. Ah, elle est Jack Kaylara. Bah oui, la famille Kaylara. Les recommandations que vous avez pu faire. Mes salutations Jedi, j'appellerai le gardien Zaki à se présenter. Voyez un genou au sol, je vous prie. Alors au bout d'un moment, c'est normal que je lise plus le chat, d'accord ? C'est comme vous le savez, j'ai besoin de faire des discours. Enfin, de préparer des discours pour des montées. Donc pendant une longue période, je vais pas pouvoir lire le chat, étant donné que je vais mettre mes discours sur l'autre écran. 4 années durant lesquelles vous êtes grandement investi au sein de votre pôle du commandement et du ministère de la diplomatie. 4 années durant lesquelles vous avez formé les jeunes chevaliers à l'intégration de notre spécialisation. 4 années durant lesquelles vous avez prouvé à l'entièreté des Jedi et notre spécialisation que vous étiez apte à devenir un grand gardien. Apte à honorer les valeurs de notre spécialisation et ce qu'elle engage. C'est aujourd'hui, avec eh bien, la recommandation unanime de vos maîtres de spécialisation et référents, et sous accord du Haut Conseil, que nous vous remettons le titre de Grand Gardien Jedi. Toutes mes félicitations. Félicitations à vous, Grand Gardien. Félicitations. Toutes mes félicitations à vous. Félicitations. Bien. Les montées en grande spécialisation sont terminées pour ce soir. Il en va de même donc pour les titres de ces mêmes spécialisations. Dorénavant, le Haut Conseil Jedi va prendre la suite et va descendre afin de pouvoir attribuer différents titres honorifiques aux Jedi qui l'ont mérité. Je suis Ventoli. Pour faire 2 et 2, tiens. Bien. Grande sentinelle Kestis, pourriez-vous vous présenter face à moi, s'il vous plaît ? Dans ce cas-là, pour ces différentes actions concernant le savoir et l'organisation de nombreux cours permettant la transmission d'informations et de connaissances, la Grande Sentinelle Kestis se voit recevoir en ce jour et en cette soirée le titre honorifique
de professeur Jedi. Celui-ci est donc maintenant un guide pour ce qui est de tout ce qui est connaissance et transmission de ces dernières. Vous pourrez vous référer à celui-ci et lui demander conseil dans les années à venir. Mes félicitations à lui. Bon, attendez, maintenant je vais passer sur mon... ce dernier. Mes félicitations. Félicitations. Je vais passer maintenant, je vais quitter le chat, je verrai plus le chat pendant un certain moment. Donc je laisse les modérateurs signaler. Les républicains sont demandés de féliciter chaque montée en rang, que cela vous concerne ou non. Je pense que nous sommes tous ici afin de célébrer cet événement marquant. Je laisserai les modérateurs informer si au bout d'un moment j'en réponds plus au chat, c'est tout à fait normal, c'est que j'aurai visuel sur les discours que j'ai à faire. Nous vous remercions pour cette intervention. Oh non, non, non. Bien. Pour ce qui est de notre montée maintenant, le Jedi semble également ne pas être présent. Oh putain, y'a personne. Bon, attendez, je passe sur mes discours, moi. Maître des érudits Yalra Wuzo se voit revoir le titre honorifique de ses nombreuses formations, ses nombreux documents de 40 pages concernant les cristaux ont été d'une grande utilité. Toutes mes félicitations, donc, à félicitations. Félicitations à lui. Félicitations à lui. Félicitations. Les félicitations. Félicitations. Mes félicitations à celui-ci. De pas rigoler, ça c'est un truc de pas rigoler sur les discours. Bien joué. Maître des gardiens ARN, vous pouvez donc vous présenter face à nous. Ah, enfin un mec qu'on a, putain. Maître des gardiens ARN, votre sabre est un véritable atout pour notre ordre. Vos actes de grand courage ont été remarqués par le Haut Conseil Jedi. Sur le champ de bataille, vos présences au sein même des avant sites, prenant donc des risques conséquents et considérables, ont été d'une grande utilité. Votre opération sur Korat et votre intervention sur cette planète a également été d'une grande utilité. Pour cela, le chancelier suprême lui-même vous a remis le titre honorifique d'héros de la République. C'est normal, si je ne réponds pas, je ne vois pas le chat. Que le Haut Conseil Jedi vous laisse le mot de faire, je lirai vos messages après, vous en faites. Pour cela, Maître des Gardiens ARN, sous décision unanime du Haut Conseil Jedi, le titre honorifique de sabre de bravoure vous est attribué. Vous êtes un exemple à suivre concernant les arts martiaux et l'utilisation du sabre laser, mais aussi les bons moments pour savoir le manier. Mes félicitations à vous, sabre de bravoure, et relevez-vous. Félicitations. Et félicitations à vous. Félicitations à vous, le Jedi Gardien. Félicitations. Félicitations à vous. Félicitations. Merde. Félicitations. Félicitations. Je remercie les membres du Haut Conseil pour ce titre et l'entièreté de l'Ordre Jedi pour sa présence. Sachez que toutes ces actions à vos côtés, tous ces moments, même cette rude épreuve sur Korat, tout cela a toujours été motivé par... Putain, ça va être bientôt à moi, oh mon dieu. Oh, par pitié, pensez à moi. C'est grâce à vous. Pensez à moi, s'il vous plaît. De vous protéger. C'est grâce à vous que je me lève chaque matin avec l'envie d'accomplir pour l'ordre et pour notre idéologie. Alors merci sincèrement. Oh putain, il est parti vite. Encore mettre des gardiens. Putain, il est parti de vitesse! Bien.
La remise de titre honorifique est donc terminée pour cette soirée. Bon, les montées en grade vont donc pouvoir reprendre. Et je laisserai donc mes confrères s'en occuper. Je vous remercie. Bien. Aujourd'hui, nous reconnaissons l'ascension de l'un des nôtres. Un Jedi dont les valeurs, la sagesse et le dévouement incarnent l'essence même de l'ordre. Je demanderai ainsi au grand érudit Kiret Mal de venir à nos côtés. Je vous laisse mettre un genou à terre, grand érudit. Kiret, en tant que grand érudit, vous avez su apporter le devoir de connaissance et de transmission qui définissent les érudits. Sous votre engagement sans faille à enseigner, à accompagner et à guider ses frères et sœurs Jedi fait de lui une figure importante, une relève prometteuse pour gérer et accompagner les nouvelles générations d'érudits. Vous êtes plus qu'un simple érudit. Vous incarnez une véritable vision, là où le savoir est non seulement transmis, mais cultivé avec sagesse. Vous avez su rendre disponible et actif dans des domaines essentiels pour l'ordre Jedi, notamment la philosophie, où vous avez su éclairer les esprits sur les vérités de la Force, mais aussi la diplomatie, où vous avez agi avec prudence et justesse pour apaiser les conflits. En ces temps troublés, vous avez su démontrer une capacité rare à transmettre nos dogmes tout en cherchant la voie de la passivité face aux tourments de la guerre. Votre capacité à maintenir la paix dans le cœur des Jedi et à enseigner la sagesse même au milieu du chaos témoigne d'un potentiel immense. Kiret Mal porte déjà en lui la sagesse d'un futur grand Jedi, un gardien de lumière et du savoir. Ce jour marque le début d'une nouvelle étape, celle où vous élevez en tant que maître des érudits, prêt à guider et inspirer une nouvelle génération de Jedi qui trouveront en vous un modèle. Maître des érudits, aujourd'hui, vous avez prouvé que la connaissance et la sagesse ne se limitent pas à ce que nous savons, mais à la manière dont nous le partageons. C'est avec une grande fierté que nous te décernons aujourd'hui ce titre, que la Force te guide dans cette nouvelle responsabilité. Mes félicitations à vous, Maître des érudits Kiret. Félicitations, maître des érudits. Vous pouvez vous relever. Félicitations, Kiret. Toutes mes félicitations, maître des érudits Kiret. Félicitations. Bien, je ne sais pas si je dois faire un discours. Ouais, en tout cas, je me dois au moins de vous remercier. Je vais me retourner vers les Jedi. Putain, j'ai chié dans mon discours. M'honore fortement envers à la fois les membres de ma spécialisation, mais les autres membres de l'ordre Jedi. J'ai chié dans la colle. Je m'engage en tant que maître des érudits. J'ai chié dans la colle. Avec rigueur et bienveillance, les enseignements qui m'ont été confiés. Et c'est avec beaucoup de... J'ai chié dans la colle. Cette mission, voilà. Me confie, je tiens à le dire. Conseils et les maîtres de l'ordre. Je vous remercie. Merci à vous. C'est qui prend la suite. Bien. Nous allons maintenant appeler un Jedi Initiation des Sentinelles. Grande Sentinelle Kilgrat, pourriez-vous vous présenter face à nous, s'il vous plaît? Et évidemment, ployez le genou. J'ai fait le con tout à l'heure, j'ai oublié. Pour l'ordre
depuis. Je me disais dans mon cerveau, n'oublie pas de dire ça, ça, ça. J'ai oublié d'ouvrir mon sabre. Dans un premier temps, le grade de spécialisation vous a été attribué. Et ces dernières années, le Haut Conseil a observé vos actions, a observé vos faits et gestes. Votre travail et vos propositions pour la diplomatie ont pu être utiles. Vous cherchez toujours à faire évoluer la situation. Vous cherchez toujours à faire évoluer notre ordre. Mais cela va de même pour la spécialisation des sentinelles, à vrai dire. Travail et clarté. Actes, vos entraînements, vos cours, vos